aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika na ibiso ok, ma solo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ya mbinga la patron na ngaye yo na paye bisi bino. Bo pi nga confiance pour msalo to sa nikona ki sa satara bino yo so bondimi yango pour la production na bino. Oh, nanga ki film moko boye, oh, théâtre moko boye. Équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça star tranquille. Équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pi abiso confiance. So ko za na matanga, benga biso to kende. O anniversaire, benga biso to kozala. O te bo sala visite moko na mona mama kala na to relaxer mama na mona kala. O nenge nini Congo mikolo yako benga biso. Donc benga biso na numéro na biso wana o rejoint information nyosa. Sauf que tout le temps on a un next step, aujourd'hui on a un numéro, on a biso 00 243 89 51 11 999, numéro et on a un numéro mokoka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à prendre la biso dans www.image.congo, toujours tout ça, leur promotion, il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'oro yoté, kaka. Boutique et l'oro yoté, vous avez besoin de promotion, on a ça, il m'a fait. Au moins, moi, je suis bien. Merci beaucoup pour la confiance. Vous êtes à la biso. Ben, l'Allemagne, tout ça, la moutoumoko. Aussi, que production, à Zakuna, la compte à image à Congo. Oh, l'Allemagne, koto, moutazate. Bien, un numéro. On a biso, moro, tchinjo, l'Allemagne. Pas un euro, on a biso, Bundes. Si, que production, moutiamote, manicolo. Oh, quand on vous découvre, si, t'es à moko. Image à Congo. Point, si, si, quoi. Point, si, quoi, que tu mouké pour la naï. Mbokati na mboka. Pourquoi? Donc ça me fait qu'il tombe. Tout ça, on a quoi pour la nuit? Allez, mbokati na mboka. Danger, Yvonne Niadabou. La métisse noire. Thank you, those who are following Gospel Impact. Un grand merci à tous qui suivent Gospel Impact, votre mission préférée avec Chris Mulunda. Ok, en version image, il y a Congo, tout le monde, moi, belé. Maintenant, on est debout en version image, il y a Congo. Nous sommes venus recevoir, nous sommes venus parler avec un artiste qui est Raphaël Jeremiah Ray J. Bah, fidèle, il y a Gospel Impact, baby, tout bêta qui est solo, naïf. Et l'autre, il y a l'issue sur le rap creation. Chrétien, rappeur ou rappeur chrétien, il y a mon nom, puis ça vise ma réponse, il y a Malamou, Malamou. Nous entrons à l'intérieur pour parler avec lui. Tout ça, dans un studio Audio Bank, Toyo Kaye, Image à Congo, Chris Mulunda, Gospel Impact. Thank you, Toko Tanaka Dito Ebanini, artiste à Obombe Libiso. Thank you. On va nous parler ici au studio Audio Bank. On entre voir comment l'artiste travaille, comment. Le chrétien sont en train de se poumonner à l'Ongo Afrique du Sud, d'ailleurs, à Kinshasa, qu'on a enregistré. Pourquoi? Est-ce que là, il n'y a pas de studio? Pourquoi Kinshasa? C'est quelque part honoré le Congo. On entre pour voir avec l'artiste. Imama, bonjour. Salut la famille Gospel Impact. C'est Ray J, homie. Natatoriete, Yango Natatoriete.
Mesdames et messieurs, déjà à l'intérieur avec l'artiste Rajay Raphaël Jeremiah, la chanson que nous venons de suivre, c'est la chanson Natatoli. Avant de parler de lui un peu trop vite, c'est notre maître, c'est Josie qui est en avant, on doit un peu parler de cette chanson. Raphaël Jeremiah, pourquoi Natatoli? En 10 ans, c'est une confession de foi. C'est, disons, un témoignage où je proclame que Jésus est Dieu par rapport aux bienfaits qu'il a eu à accomplir dans ma vie. Et voilà, c'est une confession de foi. Natatoli était à Zanzambé. Natatoli était à Zanzambé, c'est dans le prochain album, on dirait. Oui, c'est dans la prochaine mixtape, Think Like a Prophet 2, qui sera disponible en téléchargement gratuit. Si tout se passe ainsi, en janvier 2016. Think Like a Prophet 2. On va parler de Think Like a Prophet 1 d'abord et puis nous allons parler de Think Like a Prophet 2. Mais avant tout, qui est Raphaël Jeremiah? Aujourd'hui, maintenant, on peut comprendre un peu de toi, pardonne-nous. Parle-nous un peu de toi, 2, 3, 4 phrases, ou même 5 si vous voulez, si c'est possible. Oui, Raphaël, Jeremiah, pour ceux qui le souhaitent. Je suis cadet d'une famille de garçons. Et je chante depuis mon très jeune âge, depuis que j'ai 5 ans, je chantais sur des mélodies du groupe Gaël, de l'Ifoko du Ciel, des Makoma et tout ça. Alors voilà, j'ai grandi dans la chanson, mais j'étais plus intéressé par le R&B américain, par le gospel aussi, CC Winan, c'est un peu ça qui m'a influencé. À la base, je suis chanteur. Mais bon, avec le temps, pour des problèmes de confidence aussi, je me sentais pas prêt pour chanter. J'ai commencé à écrire des textes de rap. C'est comme ça que j'ai commencé à rapper. Mais à la base, je suis chanteur, je suis chantre chrétien. Et avec le temps, j'ai commencé en 2011. J'ai commencé en 2011 à faire mes premiers pas dans le rap, dans le label Golden Boys Music, que je salue, Killer Boss, les frères Mabanza, Dry Mwapé. Ils m'ont soutenu dans leur manœuvre, dans leur label, et ça m'a permis de gagner de la confiance et gagner un petit public. Bon, voilà, mais avec le temps, le Seigneur m'a aidé, avec la prière aussi, le Seigneur m'a aidé à gagner de la confiance en moi, comme on dit en anglais, self-confidence, donc de gagner de la confiance en moi-même. Et voilà, c'est par là que j'ai pu me lancer maintenant dans la musique pure, dans le R&B, dans la chanson, dans l'adoration, et voilà. J'ai mis un peu le rap de côté. L'essentiel, le main thing, c'est adorer Dieu, retrouver, en fait, donner ce qu'on a en nous au travers de la chanson. Raphaël Jeremiah, vous vivez en Afrique du Sud? Oui, bon, je suis là pour les études, c'est ça le but. Je suis là en tant qu'étudiant. Dès que j'aurai à finir mon cursus étudiantin, là, je reviendrai à Kinshasa. Revenir. Vous vivez là, maintenant là, mais on dirait que vous êtes plus focalisé ici à Kinshasa, vous êtes géré à Kinshasa, il y a tout, plus de vous, c'est Kinshasa. Et comment vous mélangez l'Afrique du Sud et Kinshasa? Au fait, je suis plus à Kinshasa parce que ma méthodologie, ma musique est mieux gérée par ceux avec qui je travaille à Kinshasa, comme l'ingénieur de son Joby, il me maîtrise parfaitement parce que c'est lui qui était là à mes débuts. Quand je vacillais un peu, donc c'est lui qui connaît comment je fonctionne, c'est lui qui connaît comment placer mes voix, le genre d'instrumental qui sont fit dans ma voix, et voilà. Donc je suis plus apte à travailler à Kinshasa qu'en Afrique du Sud. Bon, c'est vrai que je peux aussi découvrir un ingénieur de son qui pourra me faire explorer de nouvelles horizons, mais je suis plus apte à travailler à Kinshasa avec ceux qui me maîtrisent bien, comme Joby, Beverly, Record, Big Small, le DJ Big Small, et il y a beaucoup de gens. Killer Boss aussi, qui est ingénieur de son, mis à part qu'il soit rappeur, il maîtrise un peu comment je travaille. Donc voilà, c'est pourquoi je suis plus apte à travailler à Kinshasa. Apte à travailler à Kinshasa. Un grand merci déjà, je salue tous les amis des studios Beverly Record. Là, je salue l'ingénieur Tupac, tu vois, dit Toxic et Linga, le frère. Thank you, et vous avez oublié Toxic. Je salue également Big Small. Big Small, thank you, DJ Big Small. Raphaël Jeremiah, quelle est la place de l'évangélisation ou comment avez-vous croisé cette puissance de Dieu au travers de l'évangélisation? Comment avez-vous croisé ça? Déjà, je suis né d'une famille chrétienne. Mes parents sont chrétiens. Mes parents évoluent dans le ministère, enfin, nous évoluons dans le ministère du combat spirituel. Donc, j'ai été éduqué dans une morale chrétienne. Je me suis toujours senti redevable à Dieu par sa grâce et par sa miséricorde dans ma vie. Mais en grandissant, j'étais pas
à 100% dans le Seigneur. Voilà, je me disais, j'étais intéressé par le rap, par le R&B. Et quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes de rap, c'était du rap game, donc du rap mondain. Et un jour en classe, bon, Dieu dans sa grâce, hein, Dieu sait comment il fait les choses, et Dieu sait faire les choses à sa façon. J'ai rencontré un voisin de classe, Jean-Pierre Kabongo, que je salue. Il était servant, il est toujours servant à son église. Maintenant, il évolue à Londres. Il était servant dans son église et il m'a fait écouter quelques sons gospel. Et j'étais intéressé. J'ai dit, wow, c'était pas dans le souci d'évangélisation. J'ai juste découvert une nouvelle, des nouvelles horizons et tout ça. Je me disais, bon, pourquoi pas, je vais faire le gospel, le rap gospel, pourquoi pas. Et je bénis le Seigneur pour Jean-Pierre parce que c'est le canal par lequel le Seigneur m'a fait découvrir ma vocation. Et j'ai commencé à évoluer dans le rap gospel, pas dans le souci d'évangéliser, mais dans le souci de réaliser ma passion, qui était la musique. Et c'est par ce moyen que j'ai réalisé Think Like a Prophet 1. Bon, le Seigneur, par sa grâce, m'a inspiré, parce qu'il ne peut pas permettre à ce que son nom soit insulté. Donc, même si l'état du chanteur est, disons, délabré spirituellement, mais Dieu ne permettra pas à ce que son nom soit... mélangé avec l'échec, donc disons voilà. Et Think Like a Prophet a reçu des éloges à sa sortie avec des singles comme Chrisite était le premier single de Think Like a Prophet 1 et ça a été bien reçu du public et ça m'a permis de booster ma popularité enfin vers le petit public. Parce que déjà, à la base, c'était pour ça que je le faisais. Et plus je gagnais du public, plus le public venait avec leurs exigences. Et il me disait, sois plus dans la profondeur. Bien aimé, comme vous venez de le suivre, le frère Rajay parle de son parcours dans le Think Like a Prophet 1 et à le Binding Azalaki. C'est très vraiment encourageant quoi, de voir de musiciens comme ça un peu sincères. Nous savons, les musiciens sont un peu sincères, mais trouver un musicien sincère, c'est... C'est vraiment de gospel, le gospel de plus dans le sens de l'évangile. Moi, je parle plus de gospel dans le sens de l'évangile qui est notre panier, qui est vraiment ce qui est tout ce que le Seigneur nous demande un peu sur la terre. Thank you. But avant d'avancer, j'aimerais que nous puissions avoir le Think Like a Prophet 1, les extraits de Think Like a Prophet 1, c'est possible? Ouais, il y a une petite vidéo, disons, c'est une compilation de mes... service à l'église parce que j'évolue à la chorale de la JCC en Afrique du Sud. Ouais, donc j'ai pris quelques extraits de mes services là-bas pour constituer la vidéo de Think Like a Prophet. Et Dieu m'a fait grâce de l'envoyer au pasteur Moïse Mbié, que je salue en passant. Et Dieu m'a fait grâce. Pourquoi je dis ça? Parce que le pasteur m'a répondu. Il m'a dit non, j'ai aimé ta vidéo, mais il m'a donné plusieurs conseils sur ma façon de... d'écrire, parce que moi j'étais un peu, comme je vous ai expliqué mon état, quand j'ai fait Think Like a Prophet 1, j'étais un pied dedans, un pied dehors, donc il y a quelques vocabulaires que j'utilise qui sont un peu crus, alors le pasteur m'a conseillé de jauger un peu dans ça, de, hein, Kobe ta moi dada, donc au doser, essayer un peu de simplifier ma façon de parler, parce que le chrétien, premièrement c'est l'expression, c'est comment on parle de Christ, c'est notre façon de dispenser l'évangile de Christ. Et quand c'est fait de manière très vulgaire, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc je remercie encore le pasteur Moïse Mbié pour son mentoring et que le Seigneur le bénisse abondamment. Okay, merci. Et là, nous aussi, nous profitons de l'occasion pour saluer le pasteur Moïse Mbié. Nous vous saluons où vous êtes. Nous saluons le pasteur Jérémy Marcelo Tounassi. Big up papa et salut papa, nous allons venir pour très bientôt, nous saluons le pasteur Roland Dallo, bientôt nous allons parler avec lui, les incontournables dans le ministère, ici dans le Gospel Impact, nous saluons papa Kalika Senda, l'apôtre Philippe Tchaka Tumba, nous saluons vraiment vraiment beaucoup de papas qui nous encadrent ici dans la capitale, pourquoi ne pas saluer maman Lily Sumbela, nous vous saluons l'apôtre David Joel in Nigeria, those of Nigeria. We thank you and we love you. Nous saluons aussi notre maman Idaosa qui était récemment ici à Kinshasa. Vraiment, merci, merci. Parce que Gospel Impact aussi était dans la file. Gospel Impact a bien marché avec maman Lily Sumbela ici. Il y a même des vidéos qui est là. Regarde-nous très souvent. Thank you. Nous allons d'abord écouter Think Like a Prophet 1.
Comprenez-moi, je mélange un peu l'anglais et le français pour nos publics de partout. La sœur Linda Boulou, vous êtes au Ghana, je vous salue. Et nos frères des États-Unis, grâce à Mabia Lapumu in USA, I greet you. Génération l'obèse, l'unifiant de sécher les cours. Les hommes deviennent des poules, la vie n'est plus qu'un flipper. Le diable nous manipule, nous débrouille un peu comme shipper. Tu veux être populaire, il fait ça devant tout ce qui bouge. Jésus était extra, mais des potes, ça en avait 12. Les dollars, t'en avais peu, tu les changeais en francs. Maintenant, dans un coucou, ils t'ont changé en arrogant. Les enfants ne veulent rien, ils voulaient te niquer. Mais aujourd'hui, il a fui, pour mieux te niquer. Désolé pour mon langage, mais je suis qui comprennent. Qui se séparent, les oranges pourries qui les entraînent. Comme les mâles de Kinshasa, mais pour la vie de péché, les cas vertiges, pour nos sang qui sonne, du fait que la terre tourne. Pense au futur, pense comme un prophète. La vie se limite pas au nice club et au désir de spectre. Des quoi je les entends un peu. Et le voir dimanche pendant la communion chez la paix. Je vois des jeunes filles montant chant flexé. On connaît les mecs venus qui offrent du Pepsi. Quand la mort frappe à ta porte, c'est là que tu existes. Quand toute époque nous trahit, c'est là que tu existes. Église, argent multiplice, c'est notre table fixe. Montant chant à la minimise. L'amour, la charité ne font plus partie de nos devises. La vie est parmi nous, en franchise des noms, je déguise, guise. On peut vivre dans le luxe, le net persécuté. On veut trop parler de l'Esprit Saint, au lieu d'écouter. On pense qu'au Dieu de mec, on s'en fout des âmes des gens. Où est passé l'église de bien peur, on est les gens. Aimer le Christ, il porte son bonheur et m'éloigne de la frise. Laisse-moi aimer le Christ pour ceux qui me mettent à l'aise. Les filles sont plus amoureuses des mecs plutôt de leur buzz. Et moi n'en questionne plus de rien de fantastique. Les hommes romantiques, taxes de la romantique. C'est pourquoi c'était peur. Jésus mourut pour moi. C'est vrai que j'ai pas mérité, mais il pensait à moi. Déjà de retour, nous venons d'écouter le Think Like a Prophet. Ah, Think Like a Prophet. Think Like a Prophet, c'est, moi je dirais peut-être encore plus, Be Like a Prophet. Be Like a Prophet. Just, Dieu utilise un peu dans cette dimension-là du prophète. Il a dit même dans sa parole, au dernier jour, je répandrai mon esprit. Vos fils et filles prophétiseront. Donc c'est déjà vraiment Rajay est dans la Bible, il n'est pas loin de la Bible comme les autres. Rajay, think like a prophet. Pourquoi un de
ça continue encore. Maintenant, là, c'est le Think Like a Prophet 2. Ouais, bon, disons que c'était une mixtape. Ce sont des mixtapes et là, c'est la continuation de Think Like a Prophet 1. Parce que vous avez déjà, la musique, c'est un ministère. Et le ministère de Dieu, il est dynamique. Donc, dans cette dynamique, on continue de progresser avec le Seigneur. Il y a des nouvelles directives. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2014, j'ai connu une période vierge. J'ai connu une période vierge parce que le Seigneur voulait que je me retire seul. C'est un peu comme dans Genèse 32. Jacob s'est retiré seul pour rencontrer le Seigneur à Péniel. Donc, c'est être seul, la solitude, c'est un gain pour un chrétien, pour se focaliser dans son intimité avec le Seigneur et tout ça. Donc, le Seigneur m'a donné de nouvelles directives pour Think Like a Prophet 2. Je continue. J'ai pas dit que j'arrêtais avec le rap. Je continue à rapper parce que je travaille avec ce que j'ai en moi. Le Seigneur m'a donné le don de chanter et de rapper par sa grâce. C'est un peu comme Moïse. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il avait le bâton et c'est ce qui l'a permis de faire les signes et prodiges qu'il a eu à accomplir en Égypte. Donc voilà, j'ai mon bâton, j'ai la musique, j'ai le rap, donc j'utilise les deux. La Think Like a Prophet 2, j'ai sorti comme premier extrait méconnaissable. Oh. Déjà dans Think Like a Prophet 2, c'est quoi un peu de particularité de Think Like a Prophet 2? C'est le fond, le message. Le message est plus ancré sur la repentance. Et c'est un peu comme dans le premier extrait méconnaissable. C'est une chanson que j'ai subdivisée en trois. J'ai schématisé ça en trois, disons. La première partie, je parle de moi, de mon passé, comment j'ai commencé à soi-disant servir Dieu, mais tout en étant dans mon parcours mondain. Je parle de moi, je parle des défauts de l'Église et des défauts du monde. Comment le Seigneur nous a créé un état pur et nous sommes aujourd'hui méconnaissables. Et Dieu m'a fait grâce de trouver un contrat avec Ophen Music aux États-Unis. C'est un label qui produit les jeunes artistes qui... Je salue Jérémy Mabanza en passant, c'est lui mon producteur là-bas. Il a essayé de me trouver un espace sur iTunes. Donc je glorifie le Seigneur pour ça. Un jeune indépendant et amateur comme moi, je me prends en charge, je m'autoproduis et j'arrive sur iTunes. C'est grandiose, c'est extraordinaire. Je suis arrivé sur iTunes, j'ai eu à vendre... Le single s'est vendu à une cinquantaine d'exemplaires. Pour un début, c'est bon, c'est grand. Je ne m'attendais pas à ça. Mais voilà, je bénis le Seigneur. Mais connais ça pour un premier extrait sur iTunes. Tout le monde était estomaqué parce que j'évolue dans le label Young Saved avec Isma Swaga, Miché, Jamba, Diego Fire et le reste. Ils étaient. Ouais. Et Miché m'a dit, non mais frère, ce que tu viens de faire, c'est grand. Moi, j'ai dit, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Ce n'est pas moi, ce sont les œuvres de Dieu. Quand on s'accroche à lui, il nous surprend. Donc c'était une première pour moi. C'est aussi un rêve que j'ai réalisé. Parce que quand je Think Like a Prophet 1, je travaillais avec ma passion. Maintenant que je travaille avec le Seigneur, il réalise les rêves que j'avais préconçus quand je travaillais pour ma passion. J'ai toujours rêvé de vendre des singles et le Seigneur a réalisé ça maintenant que je me suis accroché à lui. Et Think Like a Prophet 2, le premier exploit de Think Like a Prophet 2, c'est cette vente sur iTunes. Et voilà. La première exploit, c'est cette vente sur iTunes. J'ai retenu quelque chose de très bon, c'est que travailler avec sa passion et travailler avec le Seigneur. Lorsqu'on travaille avec sa passion, il y a pas mal de défauts. Mais lorsqu'on travaille avec le Seigneur, là, c'est le Seigneur qui fait un peu tout. Et il y a un programme ici à Kinshasa. Vous résidez en Afrique du Sud, ça il faut souligner. Mais présentement, vous êtes ici à Kinshasa, il n'y a pas très longtemps. Merci déjà parce que vous avez trouvé bon de nous voir ici à Kinshasa et... Ça prouve à ce que Bissopé Sangwezo Kende Musika. Est-ce qu'il y a un programme ici à Kinshasa? Il y a des concerts, il y a des productions? Oui, la maison de production où j'évolue, Young Safe, s'occupe de tout. Ils m'ont programmé pour plusieurs concerts. Bon, moi je ne suis là que pour le travail. Je viens, je me présente, je me prépare spirituellement d'abord, comme tous les jours d'ailleurs. Et je me présente, je preste. Pour l'instant, je n'ai pas le programme établi, bien établi sur papier, mais c'est eux qui m'ont dit... S'ils m'appellent peut-être parce que je suis prêt, je suis artiste, on essaye de faire les choses comme les professionnels, hein, tant bien que mal avec l'aide du Saint-Esprit aussi. S'ils m'appellent peut-être 2 heures avant, non, Régie, tu dois prester à 12 heures. Je fais, ok, bon, j'y vais. Je prie, je remets tout entre les mains du Seigneur et je preste. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est eux qui gèrent encore, c'est au niveau de Michi Jamba, c'est lui qui gère un peu les programmes, comment il va voir avec la tarification et tout ça. Donc moi, je me contente de prester.
Là déjà, je salue aussi les amis de Young Servette, Michel, je te salue où tu es. Je salue Isma, Swaga, Diego Faya, le nom m'a échappé un peu. Diego Faya, Benganga Moto. On attend la chanson Nzakomba, je crois que c'est Nzakomba si je ne m'abuse pas. Je salue tout le frère de partout en fait, tout le gospelman. Anene nous a dit, l'artiste se confirme à son deuxième album. Le frère Prince Mboui, que je salue de trop loin avec tout le membre des étoiles de louange, y compris le pasteur Moïse Mbi. Encore je vous salue parce que là c'est votre parcours. Il nous a dit, l'artiste se confirme un peu à son deuxième album. C'est pas le premier album qui fait... En fait, le premier album peut faire de toi un célèbre, mais c'est le second qui va vraiment te confirmer dans le monde de la musique. Pour nous, nous vous souhaitons good luck, bonne chance à vous et marchez très bien. S'il faudrait clore, il y a un mot, il y a un message que vous allez donner aux enfants de Dieu de partout. Oui, d'abord, je confirme ce que vous avez dit. Vous savez, la maturité s'acquiert avec l'expérience. Et c'est dans tous les domaines, dans la musique, dans la vie et tout ça. Je trouve que Think Like a Prophet 1 était une façon de me rapprocher du Seigneur. Et j'espère que Think Like a Prophet 2 me permettra de donner, de remettre au monde ce que le Seigneur a mis en moi. Parce que Jésus a dit à ses disciples, allez et faites des nations, des disciples. Donc maintenant je viens vers eux pour faire des nations, les disciples de Jésus. Parce que c'est ça le but, c'est l'évangélisation. Je veux que des jeunes comme moi, je ne veux pas qu'ils se sentent complexés. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, nous avons une idée préconçue de la musique chrétienne. Il faut Zalara, moi, hein, Elemba, clip, chanteur à la Tiveste, et na trois sermons, Boubavani, na Pelouse, Bazo, Pepa, oui. Non, c'est une idée préconçue qu'on s'est faite. Et quand on vient avec du rap, quand on vient avec du hardcore, on se dit non, c'est pas rien, non. C'est comme j'ai aimé ce que le frère Carlito a fait quand il a sorti sa chanson, Bokotu Nandengenini. À la fin, il dit, Rumba aussi pour Jésus, tout genre de musique pour Jésus. Donc c'est un peu sur base de ça que je me dis qu'on peut faire du rap, on peut faire du R&B pour le Christ. Donc que les Congolais, que les chrétiens congolais ne se fassent pas d'idées préconçues que non, non, il faut que nous puissions donner aux jeunes une image de réjouissance dans la jeunesse, de réjouissance en Jésus-Christ dans la jeunesse. Et voilà quoi. Donc pour mes frères chrétiens, accrochons-nous, parce que Jésus revient, il revient chercher son église. Soyons fidèles à sa parole, ne soyons pas complexés par les choses du monde. Parce que ce sont les mondains qui nous ont fait croire que ce qu'ils faisaient était cool. Alors que non, ce qu'ils font c'est le péché. L'alcool c'est le péché, l'impudicité c'est le péché. Donc c'est pas cool, il n'y a rien de cool dans ça. Ce qui est cool c'est d'adorer le Seigneur, c'est d'être un adorateur tout en étant jeune. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu cette perspective quand je veux transmettre à mes frères jeunes, ne soyons pas complexés par ce qui se passe dans le monde, parce que nous servons le grand Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui a la puissance, la domination sur tout l'univers, et voilà. Donc soyons jeunes, on est adorateurs, on se la pète, et on fait du rap pour Christ, et voilà. Et à la fin des temps, on va au ciel, fin cop. Bah ouais, c'est ça. Ok, merci Michel, et merci... Rajay, Ray J. Cette émission, vous allez aussi les suivre en version anglaise parce que nos papas du Nigeria, vraiment, papa Swangde, vous. I greet you, papa. I greet everyone of Nigeria. Everybody, thank you, thank you. On est déjà à la fin. Nous allons citer, nous allons danser, mais il y a toujours 2, 3, 4 personnes qu'il faudrait saluer. Nous remercions le frère de Audio Bank qui nous ont reçu en ce lieu. C'est l'ingénieur. Joby et le frère Chris et le groupe Ancré, vraiment déjà je vois là au coma Ancré, donc c'est bientôt l'album au coma, c'est l'album arrive pour bientôt là, on sera avec vous. Gospel Impact va parler de vous vraiment vraiment sincèrement, vous savez Gospel Impact on est là pour le chrétien de partout. Merci même aux chrétiens de la France qui merci parce que le site Gospel Impact que vous voyez c'est un don de la France, c'est un don que un chrétien de la France qui nous a offert ça, c'est papa Philippe. Je ne donne pas la suite, c'est un attend à commoner bon été. Alors pour tenir plein de spam, baby, mindé les bazar, moins compliqué. Thank you, those of Nigeria, I greet you, je salue. Sans oublier le 25 décembre, la sœur Nana Lukezo sera ici à Kinshasa, elle viendra fêter le 20 ans de carrière. Gospel Impact va parler de la sœur Nana Lukezo. Merci, elle nous a déjà envoyé des affiches, tout ce qu'il faudrait parler, la suite et même de numéro à contacter ici à Kinshasa. Vraiment, tout ça, dans le Gospel Soul Music, nous vous saluons. Le frère Prince Mbouisseur, son album très bientôt. Au mois de décembre, déjà, on sera là avec eux et pas mal d'autres personnes. Mon frère, il y a 2-3 personnes à saluer. Oh, en tout cas, ils sont nombreux. Si je commence à citer, ça va faire des jaloux. Donc,
excusez-moi, je vous aime tous, mes frères et sœurs de partout, de Kinshasa, mes auditeurs, ceux qui ont la grâce de me suivre, de m'écouter, parce que jusque-là, je n'ai pas encore sorti de clip, c'est encore au format audio, mais je vous remercie pour votre confiance. Merci de me faire confiance et voilà, je vous aime tous, ma famille, mes parents, mon frère Nathan, je te salue. Mes frères de la JCC, de Johannesburg, Christian Betama, Eldani The King, Josué Ngoi, je vous aime mes frères, que Dieu vous bénisse. David Mananga, tout le monde, la JCC Kinshasa, le ministère du combat spirituel, tout le monde, que Dieu vous bénisse. Merci, et là je profite, parlant de la JCC, je salue la sœur Aksa Olangi, je salue le Step Up, c'est le Step Up, je salue tout le frère du label, tout le frère et sœur du label Step Up, et je salue le frère Toussaint Toumbaka Nkolongo. Oui, mes deux collaborateurs, Jean-Pierre Kabongo et Josué, parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est Jean-Pierre c'est par le canal de Jean-Pierre que Dieu a voulu que je fasse le gospel aujourd'hui. Donc, big up, mon frère. MF toujours, MF. Merci, il y a toujours beaucoup de personnes à citer. Nous serons là le 20 décembre avec le groupe Goss, le groupe Les Ouvriers du Soir. Nous serons là avec le frère Toussaint Toumbana, Batebele, pourquoi pas Baonyo Sobarolinga, correspondre à Bisso. Nous saluons le frère Yannick Toumba, nous saluons la sœur Dorcas Kapinga et toute autre personne qui nous soutiennent de partout. Thank you. Nous allons citer un peu quelques... Nous saluons Yvonne, la patronne, Maman Mokami, nous saluons également Hervé Lola. Merci pour Namoussala Kitoko et la technique. Comme je te disais tout à l'heure, mon frère, ceux qui... Bakani Moutouka, Tchazo Belela, au secours, c'est Kazasu Namakasi, au Bundaye Moroté. Merci et au revoir. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, Tikana Ibiso, ok, ma solo est bien. Donc, Image ya Congo avec moi si Ambinga, la patronne, Nangaye, on a payé Bissibino. Bon, puis on a confiance. Pour mon salut au San Nicolas qui s'assatara à Bino, ce bon Zimiango. Pour la production, on a Bino. Oh, Nanga qui filme, Moro Boye, oh, théâtre Moro Boye. Équipe à ma casse, na Congo. Équipe à ma casse, na ma sola net, Nicolas, tout au San Maté, pour tout ça, tranquille. Équipe à ma casse, pendant la Congo, Nicolas, donc, bon, puis Abiso, confiance. So kozala matanga benga biso tokende o anniversaire benga biso tokozala o te bosa la visite moko na mona mama kala na tokolaxia mama mino mona kala o nenge nini kongo mikolo yako benga biso donc benga biso na numero na biso wana o rezo information nyonso so ki to tanga na next o rezo na numero na biso 00 243 89 51 11 999, numero ya ngwana ba numero moko kaka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à prendre la vie sur notre www.image de la Congo, toujours tout ça, leur promotion, il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'oroyauté, caca. Boutique et l'oroyauté, vous avez posé la promotion, on est salé ma paix. Au moins, moi, je suis bien, bien. Merci beaucoup, la confiance, vous avez besoin de la vie sur l'Allemagne, tout ça, la Moutoumoko, aussi que production, à Zakuna, la compte à Image de la Congo. Oh, l'Allemagne, Koto, Moutazate, bien un numéro, on a vu son mot de Tindio en Allemagne, pas en euro, on a vu ça, Bundes. Siko production Timothy Manicolo. Beaucoup de vous devez citer ça moko. Image ya Congo. Point. Allez, Mboka, ti, Namboka. Danger, Yvonne Miadabou. La métisse noire.